Bonjour amis voyageurs, aujourd'hui on est dans la région de la Basilicate et on va visiter la ville de Matera. C'est parti! Donc on vient d'arriver dans la ville de Matera. Avant de venir ici, on a fait un arrêt au sud de la ville. En fait, on a visité la crypte du péché originel. Mon avis dessus, personnellement, j'aurais été très déçue de le rater parce que c'est considéré comme étant la chapelle Sixtine des peintures rupestres. Les fresques à l'intérieur datent du 9e siècle. Et vous avez une explication dans la langue de votre choix de chaque fresque qui dépeint le pourquoi, du comment, tout ça. Donc vraiment intéressant. Après par contre, 10 euros l'entrée, peut-être un peu cher pour juste une salle au final, mais bon, ça a duré 20 minutes quand même. Donc voici. Et maintenant nous venons d'arriver donc dans le centre-ville de Matera. Ici c'est la Palombra Lungo. Donc qui se trouve en plein centre-ville, avec des fresques d'époque. Très très joli tout ça. Et donc on va commencer notre visite avec tout ça. Regardez ça. Ça commence pas mal tout ça. Allez, on avance. Donc première impression, dès qu'on arrive dans la vieille ville, ben c'est waouh quoi. Waouh. Magnifique hein. Matera est supposée être l'une des villes habitées les plus anciennes au monde et elle était connue autrefois comme étant la honte de l'Italie, c'est comme ça qu'on l'appelait, à cause des sassi, c'est-à-dire les habitations troglodytes creusées à même la roche où habitaient les gens très très pauvres. En fait, Matera était une des villes les plus pauvres d'Italie et c'était, comme ils l'appelaient, la honte de l'Italie jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'en 1953 je crois, avant que le gouvernement vide toutes les maisons et depuis elles ont été reconstruites, réhabilitées et maintenant c'est pour la plupart des beaux hôtels et des beaux restaurants. Pour nous, la chose à faire absolument dans cette ville, c'est juste vous perdre dans les ruelles. Faites toutes les ruelles. À chaque croisement de rue, c'est magnifique, c'est super beau. Chaque point de vue, on s'arrête, on prend plein de photos. Donc on va aller visiter des choses maintenant. Des vrais musées, des choses comme ça, mais vraiment, pour moi, la plus grande attraction de la ville, c'est la ville en elle-même. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous perdre dans chaque ruelle. C'est trop beau. Et surtout, n'oubliez pas que l'Italie, c'est la Dolce Vita, donc profitez. Oh, c'est bon. Il est, je crois, 10h du matin, mais on s'en fout.
Donc jusqu'ici, on a visité deux églises grottes et une maison Sassi. Personnellement, j'ai adoré la maison Sassi. C'est comment vivaient les gens avant l'expulsion de 1953. Et c'était vraiment très très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Les églises, certaines valent la visite parce qu'ils ont des très très belles fresques. On en a fait la première qu'on a fait par contre, comment elle s'appelait? Je vais vous mettre le nom écrit. Elle vraiment, c'est une pièce blanche. Ça valait vraiment pas le coup. Pour moi, vraiment le plus beau de la ville, ça reste la ville en elle-même. Et visiter une maison Sassi. Voilà. Donc on va se remettre à explorer. Allez. Nous sommes devant le musée dello Scavo Matera. Le musée est officiellement fermé, mais en fait il y a un numéro de téléphone, vous pouvez appeler une personne appelée Giuseppe qui vient en 5 minutes et vous fait la visite des lieux souterraines. C'est vraiment sympa, je vous mets quelques vidéos. Finale sur Matera, c'est vraiment une très belle ville qui malheureusement est hors des sentiers classiques touristiques, mais elle vaut vraiment le détour pour un week-end en amoureux. Je pense que c'est une destination parfaite avec de magnifiques paysages, de très très beaux hôtels où passer son week-end, profiter des restaurants, des terrasses et simplement balader dans les rues avec son chéri. Vraiment destination parfaite pour le week-end. Allez, on se dit à la prochaine et ciao !